Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Joseph Dogneau qui est un expert en Facebook Ads et Instagram aussi. Il a la certification de Facebook officielle qui montre vraiment son expertise. Il enseigne dans des écoles, il est hyper bien noté sur la plateforme Matt comme j'ai pu le voir. Donc, il a eu des clients satisfaits, il a travaillé des boîtes assez intéressantes comme je peux le voir, mais je te laisserai te présenter. Tu animes aussi le podcast No Pay, No Play. Ouais. Et puis, bah, tu m'as l'air d'être complètement passionné par ce que tu fais. Tu offres des formations en ligne, tu fais du consulting et puis le reste, je te laisserai te présenter, Joseph. Donc déjà, merci pour ta présence et puis bah, présente-toi un peu plus si tu veux. Merci, merci de m'accueillir, Ling. Ouais, tu as assez bien résumé ce que je fais. Je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, Facebook et Instagram Ads. Quand je parle Facebook, c'est la régie publicitaire de Facebook, mais il y a tout un tas de placements disponibles. Je fais ça depuis presque 4 ans. J'ai commencé à le faire dans un projet entrepreneurial. J'avais lancé une newsletter un peu sur le modèle de My Little Paris, ouais. Pour ceux qui connaissent, mais pour la ville d'Istanbul. Parce que j'habitais là-bas, j'ai des origines turques. Et pour recruter des abonnés à cette newsletter, ben, j'ai fait plein de choses. J'ai testé un peu toute la palette des canaux d'acquisition du petit entrepreneur. Et ce qui a vraiment marché, c'était le Facebook Ads. C'était en 2014 et j'arrivais à acquérir des abonnés pour à peu près 20 centimes, 20-25 centimes. Et en 2 ans, je suis arrivé à 30 000 abonnés à cette newsletter. Principalement, il n'y a pas que du Facebook Ads, il y a de l'organique aussi, des partenaires, mais quand même principalement grâce au Facebook Ads. Et donc voilà, je me suis formé tout seul sur le tas. Et puis après, en 2016, la Turquie a commencé à connaître un peu des difficultés économiques, politiques. Et je me suis un peu détaché de ce projet et j'ai commencé à former des entrepreneurs qui me demandaient comment ça marche les Facebook Ads. Et donc, j'ai commencé par la formation. Et ensuite, grâce notamment à la plateforme Malt, j'ai commencé à trouver des clients, enfin plutôt des clients m'ont trouvé pour me demander de faire pas que des formations, mais des audits, du coaching et après un moment de la gestion. Qui me disaient, nous, on veut pas être formé, on veut pas des conseils, on veut que quelqu'un le fasse pour nous. On a tant de budget par mois, voilà nos objectifs. Et si ça marche, on continue. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais un peu les trois. J'ai quelques clients récurrents en gestion de campagne. J'ai des clients ponctuels sur de la formation, en start-up, en entreprise, en agence. Et puis, et je fais aussi un peu d'enseignement, comme tu l'as dit, dans différents masters spécialisés en e-marketing en général. Génial. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans Facebook, dans la publicité? Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant ce que tu fais? Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cet outil, c'est le fait que quand tu es un entrepreneur solo, ce qui était mon cas, c'est hyper accessible. C'est-à-dire que tu peux toucher 2,5 milliards de personnes quasiment depuis ton ordinateur, tout seul. Tu n'as besoin de personne, tu n'as pas besoin d'une agence créa, tu n'as pas besoin d'une agence média. Tu peux faire tes petites pubs toi-même, tu peux écrire tes messages, tu peux choisir à qui tu t'adresses et tu peux dire bah, je suis un petit entrepreneur, donc je n'ai pas beaucoup de budget, je vais le faire pour 10 euros par jour, par exemple. Qui était mon budget, moi, quand j'ai lancé ma newsletter, je dépensais 10 euros par jour. J'avais 300 euros par mois en acquisition et avec ça, bah, je récoltais entre 1000 et 1200 nouveaux abonnés par mois. Donc, quand tu penses à 10 euros par jour, ça a l'air de pas grand-chose, mais quand tu mets ça au bout de 6 mois, 12 mois, bah, à 10 000, 15 000 abonnés. Donc, je trouve que cet outil est génial parce qu'il est hyper accessible à n'importe qui, qu'on soit une grande entreprise ou qu'on soit un freelance ou qu'on soit un entrepreneur. Bah, tout de suite, il y a l'objection qui vient et qu'on doit souvent te poser cette question, c'est que aujourd'hui, on n'est plus en 2014, il y a moins d'opportunités, plus de concurrence, ça coûte plus cher, non? Est-ce que c'est toujours vrai ce que tu faisais en 2014? C'est vrai que les prix augmentent et ils vont continuer d'augmenter. Mais ça reste pour moi aujourd'hui, Facebook Ads reste le canal d'acquisition qui a le meilleur rapport qualité-prix. Quand tu vois combien ça coûte de faire de la pub et la puissance des outils qu'on a à nos dispositions, soit en termes de ciblage, soit en termes de créa, parce qu'il y a plein de formats publicitaires hyper riches, et Facebook a quand même réussi à faire accepter aux gens, à nous, que c'est OK de regarder des pubs en plein écran pendant 15 secondes, pendant 30 secondes, que ça soit sur le fil d'actualité Facebook, en story sur Instagram. Donc, l'outil est hyper puissant, les prix augmentent certes, mais si on a une bonne offre à commercialiser, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser ce canal. Moi, j'ai des clients avec qui je bosse depuis 1 an, certains depuis 3 ans,
Alors oui, les prix augmentent, mais si on arrive à bien utiliser l'outil et à convertir correctement, ça reste un canal très rentable. Ok, ok. Est-ce que tu veux bien nous faire un rattrapage express pour ceux qui connaissent absolument rien, ok, qui ont déjà entendu parler de Facebook Ads, mais ils savent vraiment, vraiment rien. Le premier cours que tu donnes à tes étudiants, et si tu peux nous faire un résumé en 2 minutes, c'est quoi Facebook et Instagram Ads? Alors, déjà, quelques chiffres. Facebook, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde mensuel. Instagram, c'est plus d'un milliard. Et puis, il y a Messenger et WhatsApp qui font aussi plus d'un milliard. Donc, l'écosystème Facebook, c'est 2,8 milliards de personnes qui se connectent chaque mois, au moins une fois. Donc, à peu près tout le monde est sur Facebook ou Instagram. Donc, la première objection, c'est quand les gens disent « Oui, moi, je suis sur telle niche, je vends tel produit, c'est un peu particulier. » Donc, mon audience n'est pas sur Facebook. Pour l'instant, j'ai jamais vu une boîte qui ne pouvait pas trouver des prospects ou des clients sur Facebook. Il faut savoir qu'il y a 120 millions d'entreprises qui sont présentes sur Facebook à travers des pages d'entreprises et il y a 7 à 8 millions d'annonceurs. Donc, quand je dis que les prix vont augmenter, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'entreprises, la majorité, qui ne font pas de pub sur Facebook. Donc, le jour où elles vont s'apercevoir que c'est un canal valable et qu'elles vont s'y mettre, quand elles vont toutes s'y mettre, même s'il n'y en a que la moitié qui s'y mettent, les prix vont encore plus augmenter. Donc, il y a encore des opportunités et plutôt on se met dans le… Plutôt on monte dans le train, mieux c'est. Et après, du coup, quelqu'un... comment ça marche ? Est-ce que je peux… Juste que les gens comprennent, c'est-à-dire… alors, moi, je sais comment ça marche, mais concrètement, c'est quoi mettre 10 euros par jour ? On les met où et ça donne quoi visuellement, par exemple ? Alors, on les met dans une c'est dur d'expliquer quelque chose d'hyper évident. Hein. Alors, non, mais c'est vrai, tu as raison. Je ne connais pas, c'est, ça peut paraître un peu abstrait. Il y a un outil qui s'appelle le Business Manager qu'il faut créer quand on va faire de la pub sur Facebook. C'est un peu l'outil pour les pros qui veulent utiliser Facebook. Ensuite, on crée un compte publicitaire et quelque chose qui s'appelle le Pixel Facebook qu'on installe sur son site pour que Facebook puisse traquer qui vient sur son site, qui ajoute au panier, qui achète. Ça, c'est la partie technique, on va dire. Ensuite, il faut avoir son offre, évidemment. Il faut déjà avoir une offre définie, positionnée, qu'on veut commercialiser. Après, il faut savoir à peu près qui on veut toucher, quelle est à peu près l'audience idéale qu'on veut toucher, qui va avoir deux impacts. Le premier sur le ciblage qu'on va faire. On peut cibler par centre d'intérêt. On peut dire, moi, je veux cibler les gens qui sont coach ou les gens qui sont intéressés par le yoga ou les gens qui sont enregistrés comme auto-entrepreneurs. Mais l'audience idéale va aussi avoir un impact sur le copywriting. Comment on rédige ses pubs ? Parce que si je m'adresse à des coachs femmes de plus de 40 ans, ce n'est pas pareil que si je m'adresse à des auto-entrepreneurs dans la tech de 20 ans. Et la dernière chose dont on va avoir besoin, c'est des visuels, du contenu visuel, images ou vidéos. Une fois qu'on a tout ça, dans cet outil qui s'appelle le Business Manager, on va créer une campagne, puis une audience et puis une pub. Ça, c'est vraiment le minimum. Moi, je conseille de créer plusieurs pubs, plusieurs audiences pour tester différentes choses. Et une fois qu'on a créé tout ça, on dit publier. Et là, Facebook dit merci de me donner votre numéro de carte de crédit. Mmh. Et ensuite, on fixe un budget et on dépense ce qu'on veut. Il n'y a pas une grille tarifaire. C'est pas ça coûte X de faire une pub ou ça coûte Y de toucher telle personne. C'est un système d'enchères qui est un peu complexe. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail ici. Mais en gros, tu dis moi, je veux dépenser 5 euros ou 10 euros par jour. Et Facebook te dira a posteriori, avec ces 10 euros, on a touché aujourd'hui 7000 personnes. Sur les 7000 personnes, il y en a 200 qui ont cliqué sur ta pub. Sur les 200, il y en a 3 qui ont acheté. Ouais, top. Si tu permets, j'aimerais illustrer ça avec l'idée que moi j'ai en tête. J'ai un kit du créateur, ça inclut mon livre et 4 formations en ligne. Et moi, ce que je veux, c'est mon objectif, c'est gagner un peu d'argent, mais surtout attirer des prospects qualifiés qui achèteront du coaching plus tard. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon produit à 47 euros et je vais uploader des photos sur le Business Manager. Je vais écrire une intro avec un petit descriptif en cherchant, en essayant de trouver les besoins, les bénéfices que veulent mon audience et je vais leur dire cliquez là pour voir mon offre. Ils vont aller sur une page, une landing page où ils vont retrouver cette offre-là et s'ils s'inscrivent, moi je gagne un peu d'argent et je gagne
des abonnés. Et grâce au pixel Facebook dont tu parlais qui est installé sur mon site, je vais pouvoir dire concrètement, OK, aujourd'hui, j'ai dépensé 25 euros. Ça m'a rapporté 2 ventes qui m'ont fait gagner 94 euros. Et après, je fais mon calcul. Est-ce que mon taux de conversion est satisfaisant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez de gens qui ont payé sur 100 personnes? Est-ce qu'il y a assez de gens qui ont acheté? Et est-ce que surtout, c'est rentable pour moi? Et voilà, à travers cet exemple, je voulais comme ça, les gens savent ce que je vais faire. Et c'est top qu'on ait cette session-là parce que je vais apprendre de toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments que tu pourrais ajouter à ce que je viens de décrire pour que les gens comprennent vraiment en quoi c'est de la publicité, c'est quoi la publicité? Alors non, ce que tu dis, c'est assez cohérent. Après, peut-être le truc que moi je rajouterais, c'est que si ton idée, c'est de proposer dès le début un produit payant à 49 euros, est-ce que tu vas le proposer à des gens qui connaissent ou à des gens qui ne connaissent pas? Ouais, super. Alors effectivement, ça, on va pouvoir en parler. Donc moi, dans mon idée, c'est dans un premier temps, je vais en fait uploader ma base d'email à moi. Mm-hmm. Comme ça, Facebook, il recroise, il dit « Ok, sur les 5000 emails que LinkedIn a uploadés, il y en a 3000 qui ont créé un compte Facebook avec ces emails-là. » Et du coup, moi, je vais cibler que ces gens-là. Comme ça, je suis sûr que c'est des prospects chauds. Okay. Ouais. Donc, il y a ça. Et si ça marche bien, dans un second temps, j'irai voir du prospect un peu plus froid, ceux qui ont liké ma page. Il y a l'histoire du retargeting et tout. Mais c'est là où je vais te laisser plutôt en parler parce que je pense que tu es bien meilleur que moi à ce sujet-là. Bah oui, ça, c'est hyper important parce qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à des gens qui sont sur ta newsletter, qui te connaissent déjà un peu, qu'à des personnes qui ont peut-être juste liké ta page, qu'à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de LinkedIn. Donc, ce serait, je trouve, une bonne stratégie de commencer par les gens qui te connaissent, par ta base de 5000 emails. Facebook va certainement pas retrouver les 5000 parce que des gens s'inscrivent avec différentes adresses mail, mais on va dire qu'il en trouve 2-3000. Bah, ces 2-3000, tu peux leur effectivement faire ce pitch par une pub Facebook et il y a de relativement bonnes chances qu'ils achètent parce que c'est une offre pas très chère auprès d'une audience qu'ils connaissent, qui a priori aime bien, te fait confiance, donc ça peut aller. Après, une audience un peu moins chaude, on va dire une audience tiède, ce serait tous les gens qui ont liké ta page, les gens qui sont venus sur ton site dans les 30 ou dans les 60 derniers jours, par exemple. Donc, si tu as déjà installé le pixel Facebook, tu vas pouvoir tout de suite recibler les personnes qui sont venues dans les 60 derniers jours et leur proposer ton offre à 49 euros. Si tu démarres et que tu installes le pixel aujourd'hui, bah, tu ne pourras pas faire ça. Tu pourras le faire à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je conseille aux gens qui s'intéressent, qui sont solopreneurs, qui s'intéressent à la publicité en ligne, même s'ils n'ont rien à vendre aujourd'hui, de tout de suite installer le pixel Facebook sur leur site. Parce que si dans 6 mois, ils ont quelque chose à vendre ou dans 6 mois, ils ont les ressources, le budget pour faire de la pub, ils auront déjà 6 mois de data d'antériorité qui auront été récoltées par Facebook. Ils pourront tout de suite dire, bah, je vais commencer par proposer mon offre aux personnes qui sont venues sur mon site dans les 6 derniers mois. Et après, si tu veux proposer cette offre à des gens qui ne te connaissent pas, tu peux, mais moi, ce n'est pas ce que je conseillerais. Parce que si moi, j'ai jamais entendu parler de LinkedIn et que je vois passer une pub sur mon fil d'actualité qui dit le kit du créateur, 49 euros par LinkedIn, je vais me dire, c'est qui ce mec? Pourquoi il me parle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce que je vais jeter 49 euros par la fenêtre? Forcément, je vais avoir plein de doutes et d'objections. Donc, un bon moyen de réchauffer un prospect totalement froid comme moi dans ce cas, ce serait pas de me cibler tout de suite avec une pub où tu veux me vendre un truc, mais de me cibler plutôt avec une pub où tu me vends rien, où tu me donnes quelque chose. Tu me donnes du contenu, c'est souvent ce qu'on fait, hein, du contenu gratuit qui peut être un épisode de podcast, qui peut être une vidéo, qui peut être un article de blog. Déjà, ce sera plus facile de me faire cliquer là-dessus puisque c'est pas très engageant. Et si, en consommant ce contenu, je me dis, il a l'air de savoir de quoi il parle, Lingen, il a l'air sympa, ça a l'air clair, son propos, tu peux me retargeter parce que avec le pixel Facebook, tu sauras que je suis venu sur ton blog. Si c'est une vidéo, tu sauras que j'ai regardé 15 secondes de la vidéo, par exemple. Et là, tu peux me retargeter avec ton offre à 49 euros. Je trouve que c'est mieux de le faire dans ce sens-là parce que si j'ai jamais entendu parler de quelqu'un, et surtout, on en voit plein des pubs de coachs, de formateurs en ligne sur Facebook, la moitié, c'est des gens à qui je ne donnerai jamais mon argent. Donc, il faut créer cette relation. Il faut arriver à inspirer confiance, en fait. Ouais. Et c'est le...
no like trust en anglais. D'abord, il faut que je te découvre, il faut que je t'aime bien et il faut que je te fasse confiance. Donc, comment on arrive à passer de je ne le connais pas à je lui fais confiance? En général, c'est en donnant du contenu. Génial, génial. C'est les mêmes conseils que j'ai lus aussi auprès d'entrepreneurs américains qui gagnent des millions. Donc, si eux le disent et que tu le dis, c'est que ça marche forcément. T'en penses quoi de renvoyer vers une landing page avec un e-book gratuit, un webinaire en automatique ou une date d'inscription à un webinaire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça que tu constates et que tu recommanderais à des solopreneurs? On peut faire ça tant que tu proposes aux gens quelque chose de gratuit où c'est toi qui vas leur donner de l'information, qui va les éduquer à quelque chose. Soit c'est comme je disais une vidéo, un article de blog, soit ça peut être un lead magnet avec donnez-moi votre adresse mail, en échange je vous envoie un webinaire ou je vous envoie un ebook. Ça marche bien aussi. Je peux te donner mon cas aussi puisque moi je fais des prestations pour des clients et puis je vends aussi mes propres. J'ai mon petit business. De formateurs Facebook Ads que j'essaie de développer et je fais exactement ça, c'est-à-dire que j'ai un petit budget, je dépense à peu près 500-600 euros par mois en pub Facebook pour promouvoir des articles de blog. J'écris à peu près 2 articles par mois très fouillés sur un point particulier de la pub Facebook. Donc quand j'en sors un, je vais aller le cibler à des gens qui sont intéressés par le marketing digital, la publicité en ligne, le SEO, qui suivent des influenceurs en ligne, des gens comme Neil Patel ou Amy Porterfield, ce genre de personnes. Et s'ils cliquent sur mon article, enfin sur la pub et qu'ils vont lire l'article, je les retargete pendant 2 semaines avec 2 offres différentes. La première semaine, je leur propose de s'inscrire à une mini-formation gratuite. J'ai une mini-formation qui dure 45 minutes qui s'appelle « Comment créer votre première pub Facebook ?» C'est 4 vidéos et en gros, je prends les gens par la main en leur disant « Vous y connaissez rien ?» Au bout de 45 minutes, vous saurez comment créer une pub. Vous ne connaîtrez pas toutes les fonctionnalités de l'outil, mais vous saurez au moins faire une pub. Et donc, les gens qui viennent sur mon blog, pendant une semaine, ils voient une pub qui leur dit « Ça vous intéresse la pub Facebook ? Vous avez entendu dire que c'était un outil d'acquisition formidable, mais vous vous sentez perdu, vous avez peur de gaspiller votre argent. Cliquez ici, formation gratuite. » Si les gens s'inscrivent à ça, bon bah c'est cool, ils sont rentrés… ils sont rentrés dans mon univers, j'ai leur adresse mail et maintenant je peux communiquer avec eux, j'envoie une newsletter tous les 15 jours. S'ils ne s'inscrivent pas à ça, ce qui est possible parce que les gens qui viennent sur mon blog, il peut y avoir des novices et il peut y avoir des gens qui font déjà un peu de pub Facebook. Donc eux, une formation pour apprendre à créer la première pub, ils s'en foutent, ils savent déjà le faire. Pendant la deuxième semaine, je les retargete avec une pub qui leur dit « Vous faites de la pub Facebook, vous voulez vous tenir au courant des dernières nouveautés, des dernières actualités de cet outil publicitaire, abonnez-vous à ma newsletter. » Tous les 15 jours, je vous dis exactement ce qui vient de sortir, les nouvelles fonctionnalités, et les nouveaux ciblages, l'actualité de Facebook qui impacte les annonceurs. Donc, ça me permet de retargeter tous les visiteurs de mon site, mais avec ces 2 offres différentes, je peux ratisser 2 types de publics différents. Une fois que les gens ont fait ça, je peux leur pitcher, au bout de quelques temps, je ne vais pas le faire tout de suite, je peux leur pitcher une formation en ligne payante cette fois, qui dure 8 heures, où là, tu peux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la pub Facebook pour être vraiment autonome, pour définir sa stratégie, utiliser tous les outils de ciblage, retargeter, enfin, en gros, faire tout ce que moi, je vous ai fait. Ouais. Waouh, génial, génial. Merci pour cette illustration. C'est top. Et du coup, j'en profite pour ceux qui n'ont pas compris aussi l'intérêt de Facebook. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut vraiment dire je vais faire de la publicité auprès des femmes de 25 à 34 ans qui vivent à Paris et qui aiment la marque Chanel. Et du coup, je lance une marque concurrente de Chanel. Et ben, je vais toucher que les gens qui aiment ça. Et ça m'évite de toucher tout le monde forcément, quoi. Exactement. J'ai aussi entendu dire récemment que c'était intéressant de toucher un public beaucoup plus large parce que quand on vise un public très serré comme ça, ça coûte beaucoup plus cher en fait. Ouais. C'est quoi toi ta philosophie à cette question ? Alors, c'est vrai ce que tu dis et les bonnes pratiques évoluent dans ce sens. Ouais. Les Facebook Ads, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout statique. Il faut constamment tester des nouvelles choses et se tenir un peu au courant des bonnes pratiques. Donc, c'est un peu ce que je fais toute la journée. Il y a 2 ans, moi, j'enseignais aux gens de faire des ciblages plutôt assez segmentés, assez petits, d'en faire plein, de les tester avec des petits budgets et de voir ce qui marchait. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout cette approche-là que je recommande. C'est plutôt de faire des ciblages assez larges
parce que on se repose beaucoup plus maintenant en tant qu'annonceur sur le machine learning que Facebook met à notre disposition, en fait. C'est-à-dire que l'algorithme publicitaire de Facebook est plus fort que nous, en gros. Et il va savoir mieux que nous qui cibler, quel contenu leur montrer. Donc, plutôt que de se restreindre et de dire « je vais faire ces 5 petites audiences de 100 000 personnes chacune et je vais leur montrer à chacune des pubs différentes », il vaut mieux faire une audience de 500 000 personnes, mettre différentes pubs dans cette audience, et c'est l'outil qui va automatiquement montrer les pubs aux bonnes personnes. Ah. En fonction de qui clique sur la pub, de qui convertit, il va comprendre de lui-même que dans ces 500 000 personnes, il y en a peut-être 50 000 qui pourraient être relativement intéressées par ce qu'on propose, parce que celles qui ont cliqué sur la pub, celles qui ont converti, les premières personnes, c'est des, je dis n'importe quoi, des hommes qui habitent plutôt à Paris, à Marseille et à Lyon, qui ont en majorité entre 30 et 35 ans, qui aiment le tennis, le kitesurfing et qui lisent le New York Times, par exemple. Yeah. Bah, une fois que l'algo a compris ça, et il le comprendra mieux que nous, il va pouvoir optimiser des campagnes automatiquement. Okay. Donc maintenant, je recommande effectivement, plutôt que de faire plein de micro-ciblages, de faire un gros ciblage avec plein de centres d'intérêt et d'autres ciblages. Il y a des audiences qui s'appellent les audiences lookalike. En gros, c'est des audiences similaires à une source qu'on fournit à Facebook. Donc, si tu as un fichier de 5000 personnes qui sont tes abonnés, tu uploads ce fichier et tu peux dire à Facebook, j'aimerais trouver 1 million de personnes qui ressemblent à ces 5000 abonnés. 1 million de personnes qui ont des caractéristiques communes de sexe, d'âge, de lieu d'habitation, de centre d'intérêt, de page qui like, de site qui visite. Donc ça, toi, tu peux avoir une idée un petit peu là-dessus avec ton instinct, avec des échanges que tu as avec tes abonnés, mais tu ne pourras jamais le savoir aussi bien que Facebook, parce que Facebook sait, vu qu'on est traqué partout sur Facebook et partout sur le web, Facebook sait précisément que ces 5000 abonnés à toi, ils vont sur tel site, ils ont liké telle et telle page, ils ont tel âge, ils habitent à tel endroit, etc. C'est génial ce que tu dis et c'est vrai que je ne l'avais jamais compris aussi bien que tu l'as expliqué, mais en fait, l'un des dangers en tant que marketeur, c'est d'avoir des a priori, des idées sur des choses qui peuvent être fausses en fait. Moi, par exemple, mon persona, si tu veux, c'est… on va dire mon persona avant, c'était un homme de 33 ans qui vit en région parisienne. Et maintenant, je me rends compte que parmi mes clients, il y a beaucoup plus de femmes de 40 ans par exemple. Et donc, si moi, je m'amuse à cibler que les hommes entre 30 et 40 ans, en fait, peut-être je passe à côté d'une opportunité énorme qui sont les femmes de 40 ans. Complètement. Après, on peut avoir dans sa tête l'audience idéale qu'on aimerait cibler. Et tu peux te dire, moi, je m'adresse avec ce produit, je m'adresse aux auto-entrepreneurs. Si ça se trouve, ton message va intéresser des gens qui ne sont pas des auto-entrepreneurs. Alors, ce sera peut-être que 10 ou 20% de tes clients et 80% de tes clients, c'est des auto-entrepreneurs. Mais pourquoi se couper de ces 10 à 20% de clients supplémentaires? Si tu laisses un peu l'algorithme Facebook faire, de toute façon, il optimisera automatiquement. Il verra que sur les gens qui cliquent sur tes pubs, il y a une majorité d'auto-entrepreneurs, mais qu'il y a aussi d'autres gens qui ne le sont pas. Il va aussi leur montrer un petit peu la pub, mais il la montrera principalement aux auto-entrepreneurs. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne sur Instagram, tout ça? En fait, je ne fais pas de distinction entre Facebook et Instagram parce que c'est la même régie publicitaire, c'est le même outil. Le terme Facebook Ads est un peu resté, mais moi, dans ma bouche, quand je dis Facebook Ads, je veux dire, il faut comprendre Facebook Ads / Instagram Ads / Messenger Ads parce qu'il y a un outil qui permet de faire de la pub sur toutes ces plateformes. Et il y a simplement à un endroit, on sélectionne les placements publicitaires. Donc, il y a un endroit où on coche et on décoche des cases. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec cet outil, il y a 15 ou 17 placements publicitaires qu'on peut choisir. Il y a le fil d'actualité de Facebook, il y a la colonne de droite de Facebook, il y a la marketplace de Facebook, il y a les stories sur Facebook, il y a le fil d'actualité Instagram, les stories Instagram, la boîte de réception Messenger, l'outil découverte sur Instagram. Il y a plein de placements et ils en rajoutent constamment. Donc, le ciblage, le budget, les optimisations, tout ça, c'est la même chose qu'on soit sur Facebook ou Instagram. La seule chose qui va vraiment changer, c'est le contenu, puisque le format sur Instagram n'est pas le même que le format sur Facebook. Sur Facebook, tu peux faire, pour la pub la plus simple, qui est la pub image, tu as un petit peu de texte, après tu as ton image et après tu as un titre.
en général. C'est comme ça qu'elle se présente. Et un bouton souvent. Sur Instagram, tu vas avoir uniquement une image et un bout de texte en dessous. Donc, il y a Instagram étant une plateforme très visuelle à la base, les pubs doivent être aussi très visuelles et on a moins de place pour, en gros, faire du copywriting convaincant et mettre un message en avant. Il faut que l'image incite les gens à cliquer. Sur Facebook, il faut que l'image attire l'attention des gens, mais c'est surtout le message, ce qu'on va, comment on va rédiger le message qui va inciter ou non les gens à cliquer sur la pub. Ouais, super, super. Photo ou vidéo ? Les deux, mon capitaine. pour moi, il ne faut pas… On parle beaucoup de la vidéo, évidemment, sur Facebook, sur Instagram, parce que l'usage va vers ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des images simples. Moi, j'ai des campagnes qui marchent très, très bien et qui convertissent très bien avec une simple image. Donc, pour moi, il faut, dans chaque campagne qu'on fait, avoir au minimum trois formats de pub. Une image, une vidéo et après, le troisième, ça peut être au choix un carrousel. Carrousel, c'est le format où on scrolle, on peut mettre jusqu'à 10 images et les gens vont scroller. Il y a le diaporama, qui est un slideshow, comme un gif animé. Il y a des collections qui sont un peu un mix entre de la vidéo et du carrousel. Donc pour moi, toujours une image et une vidéo, et si possible, un troisième format parmi ceux que je viens de citer. Parce que ça permet aussi de ratisser plus large dans l'audience qu'on cible. Si je cible une audience de 1 million de personnes et que je n'ai qu'une vidéo dans mon ensemble de publicité, Facebook sait que sur ces 1 million de personnes, il y en a qui ne regardent jamais de vidéo. Et ben ces gens-là, ils ne verront pas ma pub, même s'ils sont dans ma cible. Parce que Facebook ne va pas gaspiller mon argent pour montrer une vidéo à des gens qui, d'habitude, ne regardent pas de vidéo. Donc, si j'ai une vidéo et une image simple, Facebook déjà va pouvoir servir cette pub à plus de gens parce qu'il y a ceux qui ont l'habitude de cliquer sur des images et ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos. Donc, il ne faut pas se limiter. Et après, en fonction des perfs, si on voit que les vidéos marchent mieux, convertissent mieux que les images, on peut faire plus de vidéos. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des images. Est-ce que tu as des recommandations sur comment avoir de belles images, comment faire des vidéos simples, courtes et efficaces pour quelqu'un qui a peu de temps, pas trop de moyens et qui veut quand même tester la photo et la vidéo? Alors, pour la vidéo, ce que Facebook recommande, c'est des vidéos de 15 secondes maximum. Ah ouais. Le temps de visionnage moyen sur Facebook d'une vidéo, il est de 7 à 8 secondes. Okay. Donc, quand tu mets 15 secondes, tu es déjà le double de ce que les gens regardent en moyenne. La courbe, quand tu regardes la courbe de visionnage de tes vidéos, le drop, il est vraiment… J'essaie de faire ça bien. Les gens les regardent comme ça, puis après, ça chute comme ça. Il y a très peu de gens qui vont jusqu'au bout d'une vidéo, même de 15 secondes. Donc, il faut faire des vidéos courtes. Il faut que le message clé soit très fort dans les premières secondes. En gros, si dans les trois premières secondes, tu n'as pas attrapé l'attention de la personne que tu cibles, ils n'iront pas regarder plus loin. Donc, ce n'est pas la peine de faire des longues intros, des fondus, du noir vers des images qui durent 3 secondes. On va perdre les gens. Donc, si possible, montrer le logo de la marque ou de l'entreprise dès la première seconde et vite balancer une accroche qui va inciter les gens à regarder jusqu'au bout. En termes de format, les vidéos, il vaut mieux qu'elles soient en format carré ou vertical. Les vidéos en format paysage, c'est un peu fini parce que Facebook est un peu en train de standardiser tous les formats vers du carré pour que les pubs soient adaptées à la fois à Facebook et Instagram. Et c'est même en train d'aller vers les vidéos verticales en 4/5 de plus en plus parce que le format stories est en train de s'imposer. Donc, carré ou vertical, pas horizontal, ça, c'est pour la vidéo. Pour l'image, en termes de format, c'est pareil. On peut faire du carré ou du 4/5 vertical. Après, des conseils sur les images. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de… C'est même pas spécialement adapté à la pub Facebook, c'est de façon générale, d'avoir un branding cohérent. C'est-à-dire, si j'ai déjà une charte graphique, un certain branding sur mon site, sur mon compte Insta, sur ma page Facebook, il ne faut pas que mes pubs soient différentes de ça. Il faut que je respecte cette charte graphique parce que les gens vont voir mes pubs, mais… S'ils ne cliquent pas sur mes pubs, j'ai quand même envie d'imprimer dans leur tête qui je suis, quelle est ma marque. Ça se fait par des codes visuels. Je conseille aux gens de ne pas choisir des images trop chargées où, en gros, les personnes ciblées vont mettre 3 secondes à comprendre ce qui se passe dans cette image. Les gens n'ont pas le temps. Donc, il faut que l'image, en 1 seconde, on ait compris ce que c'est et qu'on ait envie de lire le texte qui va derrière. Le but de l'image, c'est uniquement d'attirer l'attention des gens. C'est uniquement de faire en sorte qu'ils arrêtent de scroller sur leur fil d'actualité. En anglais, j'aime bien l'expression le thumb stopper. Il faut que l'image, ça soit un thumb stopper, un arrêteur de pouce.
Ouais. Si tu arrives à arrêter le pouce des gens, tu as peut-être une chance qu'ils lisent le message que tu as pris le temps d'écrire. Si le message est convaincant, il y a peut-être une chance qu'ils cliquent et qu'ils aillent sur ta landing derrière, en gros à l'étape d'après. Bah, parlons un peu de ce message, de cette description, donc du texte qu'on peut mettre. Quelques bonnes pratiques pour écrire un bon texte, ce serait quoi? Alors, pour moi, le texte, il faut qu'il soit engageant et qu'il s'adresse directement aux personnes qu'on cible. Donc, si je devais donner quelques petites astuces, quelques petits trucs de copywriting publicitaire très classique, c'est d'ouvrir par une question. Parce que quand tu poses une question aux gens, les gens ont l'impression que tu t'adresses à eux. Donc, dans mon cas, ça pourrait être est-ce que vous galérez avec la publicité Facebook ? Après, je peux mettre en avant ce que je leur propose. Est-ce que vous avez peur de gaspiller votre argent sur Facebook ? Est-ce que vous vous sentez perdu quand vous mettez le nez dans le gestionnaire de publicité ? En gros, soumets des objections. Commencez par ça, les mettre en avant, parce que les gens vont se dire oui, je me sens concerné. Effectivement, quand je joue le gestionnaire de pub, il y a 15 campagnes différentes, 20 placements, je ne sais pas par quoi commencer. Oui, j'ai peur de gaspiller mon argent, j'ai boosté des posts, ça m'a ramené des likes, mais aucune vente. Donc, j'ai pas envie de gaspiller mon argent bêtement. Mmh. Donc, commencer par une question, c'est un bon moyen d'attirer l'attention des gens. Si on a identifié des peines, des pain points, je n'ai pas le mot. Des douleurs, des souffrances. Ouais, des souffrances, c'est ça. En mettant le doigt sur la souffrance, on attire l'attention des gens et après, on leur explique comment on peut les aider à résoudre ce problème. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est dans les pubs de se concentrer sur un seul message. C'est-à-dire écrire déjà de façon informelle le plus possible. On est sur des plateformes de divertissement, il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas utiliser un langage plein de jargon, un peu chiant, un peu trop sérieux. Il vaut mieux s'adresser aux gens comme on parlerait à une personne, à un ami, sans être non plus dans la familiarité extrême, mais voilà, comme on parlerait à une personne normale, pas à un prospect sur une liste de gens qu'on connaît pas. Et je conseille aussi d'écrire plutôt de façon assez concise. Un seul message dans une pub. Déjà, si on arrive à attirer l'attention des gens avec l'image, c'est bien. Ils vont lire le message. Il faut pas que le message introduise de la confusion. Il faut qu'ils comprennent clairement de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent à l'étape d'après. Donc, faut le dire clairement. Quelle est l'étape d'après? Faut pas se dire, si les gens sont intéressés, ils cliqueront. Il y a des gens qui savent pas qu'il faut cliquer sur une pub pour aller à la suite. Donc, il faut leur dire, voilà, vous avez peur de gaspiller votre argent en pub Facebook, inscrivez-vous ici à cette formation gratuite, 4 vidéos, en 45 minutes, vous saurez créer votre première pub Facebook, cliquez sur le lien ici. Ou alors swipe up si c'est une story. Il faut leur dire quelle est l'étape d'après. Sinon, bah, les gens peuvent être intéressés et simplement passer à côté. Mm-hmm. Donc, voilà quelques petits conseils. Après, il y a des méthodes de copywriting que moi, j'aime bien. Un truc très classique en anglais, c'est le AIDA, attention, Attention, Interest, Desire, Action. Donc, attirer l'attention des gens, susciter leur intérêt, susciter le désir et les inciter à l'action. Ça, c'est un peu la progression de toutes les pubs que j'écris. D'abord, on attire leur attention, on leur explique ce qu'on peut leur proposer, on leur explique pourquoi c'est dans leur intérêt de faire ce qu'on leur propose, et après, on leur dit clairement de faire l'action qui suit. Ça, c'est des frameworks qui marchent assez bien et que je trouve qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue quand on fait du copywriting publicitaire. Les marketeurs qui faisaient du marketing direct dans les années 30-40 ont très bien expérimenté ça et ça marche encore aujourd'hui. Génial, génial, génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas traitées, des choses basiques qui pourraient aider nos auditeurs à se lancer sur Facebook? Pour les gens qui sont je ne sais pas si c'est dans ça dans ton audience, des gens qui font du e-commerce. Alors, c'est pas trop dans ma cible, ok? D'accord. Alors bon, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Ouais, plus les un coach, un consultant, quelqu'un qui vend des formations en ligne. Tiens, je pense que c'est un bon public. Quelqu'un qui veut vendre la prestation de service. Alors, quelqu'un qui veut vendre la prestation de service, c'est un bon exemple. La pub Facebook va lui servir à récolter des leads, des prospects. Ça peut se faire, comme moi je le conseillais tout à l'heure, en commençant par faire connaissance avec les gens à travers du contenu. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vend de la prestation, s'il veut faire de la pub sur Facebook, il va falloir créer un petit peu de contenu. On ne peut pas juste se mettre devant les gens en leur disant « Bonjour, je suis coach en développement personnel. Bonjour, je suis coach en reconversion. Inscrivez-vous ici à une consultation gratuite, par exemple. » Encore une fois, les gens vont se dire « Ok, j'ai un besoin de reconversion en ce moment, mais qui est cette personne? Pourquoi est-ce que je lui accorderais 30 minutes de mon temps ?»
Donc, le contenu en premier et ensuite, retargeter les gens avec, ça peut être un formulaire pour les rediriger vers une landing page avec un formulaire pour récupérer leur adresse mail, leur proposer un e-book, leur proposer une consultation gratuite, un appel découverte. Et il y a un format de pub qui est assez bien sur Facebook qui s'appelle les formulaires de génération de prospects, où au lieu de rediriger les gens vers une landing page, on peut intégrer un formulaire directement dans la pub Facebook. Génial. Donc, si par exemple, moi, j'ai envie simplement de saisir, de récolter le prénom et l'adresse mail de mes prospects, je peux créer un petit formulaire dans Facebook avec deux champs, prénom et adresse mail. Quand les gens vont voir la pub qui leur dit « Cliquez ici pour faire un appel découverte avec Joseph pour discuter de votre stratégie Facebook Ads », ils vont arriver sur le formulaire, il sera déjà pré-rempli puisque Facebook a ces informations. Donc, en deux clics, les gens peuvent remplir le formulaire. Tu as moins de friction que quand tu renvoies les gens vers une landing page. Génial. Qui peut être un peu lente au moment où les gens cliquent. Le serveur peut être temporairement pas accessible ou les gens peuvent être dans le métro. Il y a plein de choses qui font que les gens peuvent vouloir cliquer sur la pub et derrière, ils ne convertissent pas. Alors que là, le taux de conversion est bien plus élevé. Est-ce qu'on peut ajouter des champs de questions pour filtrer un peu plus ? Bien sûr, tu peux ajouter autant de champs que tu veux, soit des champs qui seront pré-remplis, soit des champs ouverts. C'est génial. Ouais. Waouh. Ok. Et moi, c'est ce que je fais. Bah, l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, quand les gens viennent sur mon site, ils sont retargetés pendant 15 jours pour ma newsletter et pour ma formation gratuite, c'est avec des formulaires intégrés. Donc, si vous voulez faire le test, vous allez sur mon site nomedia.io et vous verrez pendant 15 jours des pubs. Si vous cliquez dessus, ce sera un petit formulaire avec des champs pré-remplis. C'est pas mal parce que si on n'est pas très à l'aise avec l'idée de créer une landing, de trouver l'outil qui va permettre de le faire, de designer quelque chose de pas trop moche, d'écrire beaucoup de textes, ces pubs-là permettent de faire ça en 5 minutes avec juste une image qui peut être la même image que celle de la pub et avec une phrase au-dessus du formulaire. Ouais, c'est génial. Waouh, ça me donne vraiment envie de mettre tout ça en application. Un dernier conseil à apporter aux gens qui veulent se lancer sur Facebook. Alors, je pense que c'est important. Moi, un des premiers conseils que je donne aux gens, c'est d'avoir une stratégie, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on veut faire en pub Facebook. Pas juste de booster des posts parce qu'on nous a dit que c'était bien ou parce que c'est ce que Facebook propose, mais plutôt de se dire quel est mon objectif. Est-ce que je veux vendre quelque chose? Est-ce que je veux récolter des prospects? Est-ce que je veux augmenter ma communauté, agrandir ma communauté, pardon. Donc déjà, de savoir pourquoi on le fait. On peut avoir plusieurs objectifs. Dans ce cas-là, il y aura plusieurs campagnes. Mais c'est important de bien garder en tête pourquoi je dépense mon argent, ne serait-ce que pour pouvoir évaluer le succès de ces campagnes. C'est-à-dire, au bout de 2 mois, j'ai dépensé 500 euros. Qu'est-ce que j'ai en échange de mes 500 euros? Si je n'avais pas d'objectif clair au début, je ne pourrais pas mesurer le fait que ça a marché ou pas. Et donc, je ne saurais pas s'il faut que je continue ou s'il faut que j'arrête. Donc, c'est important d'avoir au moins un objectif clair. Il y a tout un tas de KPI, les Key Performance Indicators, en gros d'indicateurs qu'on peut suivre sur Facebook. Mais pour moi, il y a les KPI principaux et il y a les KPI secondaires. Si moi, mon objectif, c'est de récolter des leads, le seul KPI qui compte, c'est combien je récolte de leads, à quel coût. Est-ce que ce coût me convient ou pas? Tout le reste, les taux de clics, le nombre de clics, le coût par clic, le CPM, tout ça, c'est des KPI secondaires que je vais suivre, qui me permettent un peu de diagnostiquer ma campagne, de la piloter, d'ajuster des choses. Mais je préfère avoir un taux de clic pourri et un très bon taux de conversion et un bon coût d'acquisition que l'inverse. Génial. Bah, merci, Joseph. J'ai moi-même beaucoup, beaucoup appris. Je suis sûr que nos auditeurs ont beaucoup de choses qu'ils vont pouvoir mettre en application. N'hésitez pas à réécouter l'épisode. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir le site neomedia.io. Donc, www.neomedia, en un mot, .io. Et vous verrez que vous pouvez travailler avec Joseph. Présente-nous comment on peut travailler avec toi. Tiens. Alors, si c'est des personnes qui veulent faire appel à moi pour les aider, je peux gérer des campagnes de pub Facebook. Après, j'ai une capacité assez limitée pour ça parce que je suis tout seul. Donc, je travaille avec très peu de clients. Donc, je choisis des clients. Et en général, c'est plutôt des startups ou des boîtes qui sont déjà lancées, qui ont déjà un produit, des clients et qui ont des budgets pas négligeables. On est
plutôt dans des 5, 10, 15, 20 000 euros par mois de budget. Donc, c'est pas forcément applicable à des formateurs en ligne ou à des coachs. Après, je fais aussi de la formation. Je fais du coaching. Je peux donner des conseils ponctuels à des personnes qui en ont besoin. Je fais des demi-journées de coaching, par exemple, ou des formations d'une journée, de deux jours. Et puis, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de s'abonner, peut-être, je sais pas si tu pourras mettre le lien dans la description de l'épisode, mais de cette formation gratuite que je propose, qui dure 45 minutes et qui permet en gros à n'importe qui de savoir comment on fait une première pub Facebook. Bien sûr. Suite à ça, moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours de commencer de se former eux-mêmes, de le faire un petit peu. S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent faire appel à moi ou à un autre consultant ou à une agence, mais déjà de commencer à le faire soi-même, parce que avant de le déléguer, c'est bien de savoir comment ça marche, ne serait-ce que pour bien piloter la personne à qui on soutiendra par la suite. Wow, super, super. Joseph, j'aime énormément tes conseils, tes compétences, ton état d'esprit et ta sincérité. Donc, en lien à cette interview, il y aura cette formation. Donc, merci pour cette formation que tu offres pour se former à Facebook. Je te dis à très bientôt, Joseph. J'ai des idées de collaboration aussi et les auditeurs écouteront ça après et nous, on en discute juste après l'interview. Merci à toi, Joseph. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.